très chers invités, bonsoir. Nous sommes la grande famille Lusenge et donc nous vous recevons avec un cœur joyeux. Karibu sana kwetu et donc la grande famille Tshibamba, nous disons vraiment merci. Nous sommes réunis ici à l'occasion de cette rencontre dans le passé des deux fleurs, notre roi chancelier et notre dada Lisa, qui vont normalement nous faire vibrer leur amour qu'ils ont connu dans le passé. Aujourd'hui, dans le présent, nous allons en train de le célébrer en famille. Et dans le futur, nous allons aussi encore une fois apprécier les fruits de leur amour, donc leur progéniture. Et pour vous montrer de quoi est-ce que vous êtes intéressant, Netamsi Baba Lusenge Kusimama Tampigia Mikono Katiko Natupati, à mode de circonstance, dans Pokea Jama Yotemzima. Karibu mzee. Ndiyo, tunasema tena karibu hapa kwetu. Mina waza hatutaongea vya mingi. Tumesha ongea kila kitu. Kikina bakia tu, ni kubatakia matayarisho njema. Na mina jua kama Mungu mwenye ameruhusu hii kitu kitokee wala ijambo ifanyike. Na asilale katika fuaye yenu. Mina jua kama pamoja na Mungu yote inawezekana. Na batoto benye mutazala. Na baba heshimishe gisimu manani heshimisha kwa siku ya leo. Maintenant, sans pour t'attarder, tout en pokea papa Tshibamba naye. Na wakati kuna shima tunamshangilia na mzee Lusenge ataenda kumkaribisha ku conclure ile yenyewe amesema kama wamesha kwa jamaa mmoja. Tunashangilia wazazi tabazani. Ah, na mnapendeza sana. Karibu baba Lusenge amkaribisha mzee. Ah? Karibu sana. Ba mama biko okay. Wapi yo wewe ba mama? Jisikie huru. Hapa ni kunyumba kabisa. Asante sana. Sasa papa Tshibamba. Papa Tshibamba, sijui kama kuna neno kwa ajili ya jamaa mbele tuendelee na vitu vingine. Hakuna kia zaidi mimi na shukuru mzee wangu kwa kunipokea kwake na sema merci. En fait mimi naitwa Tshibamba. Mimi niko representant wa famille na garçon mwenye iko anachumbia msika wako. Tuko naye jina yake ni Chancelier. Itakuwa mrefu kwako muite tu chance. En fait, ni yeye tuko pamoja naye. Asante. Mzee, tunakuruhusu sasa ndo tuletee ile liua, ile fleur ambayo chancelier alikitafuta hapa. Na mimi na John Joe watoto wako na ngoya. Karibu mzee kwa kwenda tuletea hii ule mama nyota ya asubuhi. Sawa. Usiogope. Unatamupata sasa hivi. Je t'aime fort jusqu'au point que je suis prêt à prendre des risques juste pour être avec toi, bébé. Comment c'est, maman? Tu sais que si mon père te voit ici avec moi le jour de ma dot, tu vas décapiter. Je le sais, bébé. Et c'est pourquoi nous devons faire très vite. Alors, écoute, chérie. Retourne chez toi. Écoute, chérie. Nous devons partir très loin. Et c'est pourquoi nous devons faire très vite. Écoute, chérie. Et quand on sera très loin là-bas, mon amour, je te prendrai un mariage. Écoute, bébé. Je te prendrai en mariage à l'église et à l'état. Bébé, je prendrai soin de toi comme une reine. Chérie. Je sais, chérie. Et je prendrai des risques pour être avec toi. Je t'aime aussi. Mais là, mon Berthe, c'est trop tard. Et c'est pas le moment ni l'endroit de parler de ça. Je n'ai plus le choix. Écoute, chérie. S'il te plaît. Chérie, s'il te plaît. Bébé, on a toujours eu le choix. Écoute, bébé. Dis-moi. Dis-moi, chérie.
Est-ce que vraiment tu te sentiras à l'aise de prendre, de donner ta main à quelqu'un que tu ne connais pas? Dis-moi bébé, est-ce que tu te sentiras aimé? Dis-moi mon amour, dis-moi. Mon Berthe, bien sûr c'est toi que j'aime. Mais mon père et toute ma famille m'obligent de donner ma main à quelqu'un d'autre que je ne connais même pas. Je t'aime. Je prendrai des risques pour être avec toi. Écoute chérie, personne ne peut décider de notre sort. Nous-mêmes on peut décider. Chérie, on peut aller très loin. Je te le promets chérie. Et c'est pourquoi nous devons faire vite. Écoute bébé. Chérie, je vais mettre les restaurants en vente. Chérie, et avec ma licence. Voilà, voilà bébé. Bébé, je sais. Écoute chérie, avec ma licence, je suis sûre que j'aurai un emploi et on va vivre notre vie chérie. Bébé, tout ça je sais. Chérie, s'il te plaît bébé. Mais c'est trop tard. Regarde, c'est le jour de ma dot. Chérie, bébé. Je ne veux pas que mon père te retrouve ici. S'il te plaît, s'il te plaît, Berthe, va-t'en. Pardon. Bébé, s'il te plaît, non. Bébé. Papa, nimemaliza na tatuva la robe, nimekuwa najipreparer maquillage na kichwa. Okay, ma fille. Mimi nakuamini aka sana. Sasa tutafika kule, pardon. Usinipe mule. Ju hii mariage hii. Niko na vizia kubitu vya mingi vitanifanzia. Nasikia. Mimi niko d'accord na wewe na niko siri na wewe. Nasikia. Comportement yako. Ou dit comporter ça, mon mouchamouk. Papa, confiance, confiance. Ok. Je pas bien. La qui on a sikia bimina sem. Oui, ni meske. Ça, ou si tchele ou estel. Ok, mina enda. Non, ma lisa, n'y kotona vala robina. Ok, fande yombiyo. Alors, mesdames et messieurs, comme je vous avais annoncé, l'arrivée de cette étoile filante. C'est rien qu'une fois qu'on peut la regarder, elle arrive. Donc, quand tu l'as compoqué, tu sens ma chie beau de ta fazale. La grande reine de ce soir, mesdames et messieurs. Pendant que l'est encore là, nous allons alors demander à ce prince charmant qui est venu aujourd'hui, les chanceliers, de bien vouloir s'avancer. Monsieur, l'époux de ce soir, Zogea, Okatigonakuya, regardez alors l'homme qui est venu aujourd'hui prendre la main de votre fille, papa. Oh là là, wapifigelegele. Merci beaucoup, super. Alors, nous allons signifier ça par un petit geste. Mesdames et messieurs, regardez alors par ce geste magnifique d'amour, très romantique. Il est en train de passer la bague au doigt de sa charmante future femme et épouse, n'est-ce pas? Bon, quand on va aller chahir les pètes, on a changé à Dawazali, hein? Ça va faire du bien, n'est-ce pas? Oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique! Ah oui, oh là là, oh là là, oh là là! Et là, je vais demander à madame Mathieu Tumukono Yulu Watotewaone les bagues, hein? Signe de victoire, n'est-ce pas? Thank you.
traîne pas dans tes habitudes d'entrer quelque part, ça toquer, ni dire bonjour aux gens. Est-ce que ça va? Passe-moi un verre de whisky, s'il te plaît. Ok, c'est toi les boss. Je vais la bouteille en entier. Tiens, c'est pas toi ça. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu es si terrifié, en colère et avec cette soif, tu peux même prendre les sacs de quelqu'un. Et alors, file-moi ma bouteille avant que je ne commence pas à boire ton sang. Salut Chance, mon chéri. Ah oui, salut. Mais quelle est la cause de votre visite à ce net moment? T'as pas bossé? Ah, fais pas cette tête, voyons. On a pris rendez-vous pour aujourd'hui, te souviens? Ah, je me souviens. Alors, bienvenue à Dej, ma chérie. Je suis désolée parce que j'ai épousé une autre fille alors que c'est toi ma copine que j'aime. Tu veux bien un verre? Ah oui, je voudrais bien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que c'est amusant? Mais non, c'est pas amusant du tout. Je sais que tu as été forcée par ta famille. Est-ce que tu sais qu'on risque de ne plus se voir souvent? Ou pas du tout? Ben, maintenant je suis fiancée. Et ça se voit. Tu sais, en amour, on y gagne, on y perd toujours quelque chose. Je dois savoir que maintenant je dois m'occuper de ma future épouse. Je suis venue ici pour passer cette journée avec toi, danser, manger, danser. Tu sais quoi? Etc. Je ne peux pas te laisser aller comme ça. Je suis à toi pour aujourd'hui et je vais te faire l'amour. Aujourd'hui, demain et tout le reste de ma vie. Wow.
d'abord, tu commences par te rhabiller. Ensuite, tu ne tentes même pas de t'approcher de moi. Pourquoi? Pourquoi chance? Lise, pardonne-moi. J'ai abandonné l'homme qui m'aimait, qui me respectait, juste pour toi. Chance. Je t'en supplie, Lise. Non, non, pardon. S'il te plaît. Non, je ne sais pas si tu prends ma tête, pourquoi. D'abord, prends ta bague. Comme ça, on l'embelle un paragaco qui donne. Si mon père a pas, que tu m'as quitté, il va m'écraser, il va me tuer. Lise, ne me quitte pas, pardon. Chérie, pourquoi tu arrêtes la voiture? Je vais juste récupérer les documents ici à côté. Je les ai oubliés hier. Pourtant, il faut que je les ramène au travail maintenant. Mais qu'on fasse le coin de déposer au cas, tu me disais qu'il y a urgence. Oui, j'avais déjà oublié. Il y a un document qui n'a pas chose à récupérer. J'ai un assassin de petit. Ou alors, tu as difficile au cas du village. D'accord. Je vais comporter ça, mon toto, mon chamouk. Papa, confiance, confiance. Ok. Ça va bien. La qui on a ce qui a bien la scène. Oui, il me ce qui. Ça, où c'est le western. Ok, mina enda. Non, mais je n'ai pas de nouvelle robine. Ok, fendi on bio. Ça va, papa. Ok, merci. Merci aussi.
Oui. Mon chéri, je suis désolée. Bébé, tu dois y aller. Chérie, tu dois y aller, chérie. Pardon. Bertie. Chérie. Bébé, je t'aime. Bertie, je t'aime, toi. Lise, écoute, s'il te plaît. S'il te plaît, ne m'oublie pas, s'il te plaît. Ne m'oublie pas. Lise. Que je suis une femme mariée. Mon corps et tout ce que j'ai t'appartient. Mon cœur est à ta disposition. Tu l'as bien dit que tu es une femme mariée. En plus, mère d'un enfant. Écoute, dis-moi ce que tu es venu me dire. Et tu pars chez toi. Écoute, Bertin. Si un homme que j'aime énormément et que je désire depuis le jour où je t'ai vu pour la première, et ça fait un temps que je te cours après, mais je n'ai jamais obtenu ce que je veux. Et qu'est-ce que tu veux de moi? Dis-moi. De toi, chérie. Ton cœur, ton corps. J'ai envie de me sentir dans tes bras. J'ai envie d'avoir une place dans ton cœur. Heureusement que tu viens de le dire. Tu es une femme mariée. Et si je fais ça, ça serait manque de respect au mariage. Ok? S'il te plaît, Bertin, ne me dis pas ça. D'ailleurs, c'est quoi le mariage? Cette bague que je peux porter et enlever quand je veux. S'il te plaît, Bertin, je t'aime, j'ai envie de toi. S'il te plaît, Bertin, embrasse-moi. Fais-moi l'amour. Prends ta robe et tu rhabilles. Mais pourquoi? Tu ne m'aimes pas. Je ne suis pas belle. Tu es splendide. Mais mon cœur bat pour quelqu'un d'autre. S'il te plaît, Bertha, j'ai envie de toi. Baise-moi. Ou simplement, embrasse-moi. Assouplis le désir que j'ai de me sentir en toi. Prends ta bague et ta robe. Habille-toi. Hé.
Habille-toi, s'il te plaît. Et fais vite, dépêche-toi. Oh, pardon, merci.